when somebody hears. Listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of fate. Manu, Alizea, elle va participer au Prix de Milan samedi. Dans quel état de forme est-elle? Bon, elle a l'air pas mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On la refait. Manu, Alizea reste sur une 7ème place dans le Prix de Washington. Qu'as-tu pensé de cette sortie? Pas mauvaise, mais elle m'est partie au galop. Voilà. Après, sinon, pas mauvaise, c'est dommage. Hein. Au lieu d'être sur un 3ème, 4ème rang à la corde, ben, on se retrouve 3ème à 2, derrière une verre de pan. Mais à 2, 1600 mètres en gain, c'est compliqué. Et voilà, après la jument, elle courait propre. Ouais, auparavant, à l'étranger, elle t'a vraiment fait plaisir. Bah ouais, avec un numéro en première ligne, elle part, elle peut aller devant. Sur les petits anneaux, c'est difficile de faire le tour. Donc ça, c'était bien. Après, les réductions kilométriques, elles étaient très bonnes. On était battu par Rudy Bac, que j'ai vu qu'il était engagé. Si je mets aux zones, il va peut-être être éliminé. Non, je plaisante. Mais non, ouais, j'ai vu ça, bon, on verra. La jument, on peut parler d'objectif là dans ce prix de Milan, parce que 2100 piste plate, c'est peut-être son sport. Ouais, voilà, j'aurais préféré 1600 peut-être encore, mais non, 2100, voilà, piste plate. Je vais déférer des 4, on aura des artifices. Il faut espérer avoir un bon numéro parce que il n'y a plus que ça qui va être déterminant. Est-ce que sa campagne étrangère l'a vraiment métamorphosée ou est-ce que finalement elle est dans la continuité de ce qu'elle était avant? Non, bien, sauf qu'elle a repris goût un peu aux courses, quoi, et ça l'a boosté un petit peu parce que bah, là-bas c'est 1600 mètres, il faut qu'ils aillent vite, donc ça les met un peu sur le gaz. Après, ça l'a reboosté parce qu'elle voyait toujours que du Vincennes, et elle en avait marre et ça lui a fait du bien un peu de voir un peu d'autres airs, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'objectif samedi? Ah bah oui, hein, de toute façon, après elle a engagé à Divonne-les-Bains, donc il y a un peu moins d'argent à gagner. Après, elle aura l'UET à l'automne. Là, elle va affronter Hakim du Cap-Vert, fait sa rentrée. Il y a quand même le choix à la Joël Vente des Côtes. S'il part bien, il manque un peu de vitesse peut-être, mais c'est un très bon cheval. Rue du Bac. Bon, elle devrait être dans les 4, quoi. Si jamais ça se passe bien, elle devrait être capable d'être dans les 4. Et ça devrait être un de ses plus beaux chèques de l'année, quoi. Face au mal, ça te fait pas peur? Non, mais jouement les rapides. Les rapides, non, il y a juste, je veux dire, Rudy Bac qui a affronté deux fois, il lui a mis une cartouche. Donc après, jouer le Vendée Côte, je sais pas où c'est qu'il en est son cheval, ça fait longtemps non plus, il a pas couru. Mais c'est un très bon cheval. Après, est-ce qu'il est rapide pour faire 2100? J'en saurai plus après la course, mais voilà, non, il y a des chevaux, normal, quoi. Ce dimanche matin, elle a travaillé sur la grande piste, et pour toi, tous les feux étaient ouverts? Ouais, le jument était souple, bon, le gros du boulot, elle l'a fait l'autre jour. Là, le jument était bien souple, je voulais pas qu'elle tire, parce qu'elle avait tendance à tirer, donc on l'a équipée pour pas qu'elle tire, et elle était bien, rien à dire. Donc elle est fin prête pour samedi? Voilà, il n'y a plus qu'à courir maintenant, hein. Ozone également qui a travaillé avec Alizea, Manu, quel est l'objectif avec lui? Ozone, il va courir le 30 juillet à Mellet du Maine, dans un tournoi là, à 50 mètres, pour préparer le 13 août, je crois. Il y a deux courses au mois d'août qui sont dans ses cordes, donc on va le préparer pour ça. Est-ce qu'il est dans le bon timing? Oh, lui, là, il est bien, là. Hein, il est... Je le trouve supérieur à la jument, donc pour moi il est pas mal. Maintenant, on a eu un souci qu'on a eu du mal à régler, on a fait des pointes d'azote, là c'est cicatrisé. Je vois que le cheval il est quand même bien mieux que ce qu'il a couru le dernier coup. Non, il n'y a plus qu'à repréparer le mois d'août gentiment.
never see you again.